Aujourd'hui, je voulais te raconter une expérience que j'ai vécue cette semaine. Et enfin, tu sais, moi, depuis mon aventure sur YouTube, depuis que j'ai commencé mes vidéos sur YouTube, je reçois de bons commentaires et je reçois de mauvais commentaires aussi. Ça va de soi. Et le 27 juillet 2017, j'ai fait une vidéo qui portait sur le thème l'arnaque du marketing du réseau MLM. À la date d'aujourd'hui, c'est la vidéo qui m'a le plus attiré de vues. C'est la vidéo la plus vue sur ma chaîne. Je suis à un peu plus de 5000 vues sur ma chaîne. C'est la vidéo qui m'a apporté le plus de vues, le plus de likes, le plus de dislikes dans ma carrière de YouTuber. Et c'est la vidéo qui m'a apporté le plus de commentaires. Ce n'est pas forcément la vidéo qui m'a apporté le plus d'abonnés, mais c'est la vidéo qui a été un peu plus virale. C'est la vidéo que YouTube a mis beaucoup plus en avant. Et c'est une vidéo où j'ai eu beaucoup de commentaires positifs et j'ai eu aussi beaucoup de commentaires négatifs. Et moi, je suis de nature, généralement, quand j'ai des commentaires négatifs, je les supprime automatiquement pour ne pas me laisser polluer à force de les lire ou de laisser des sous pour que quelqu'un d'autre vienne les lire tout simplement. Et je reçois beaucoup d'injures sur YouTube. Et il y a une injure que j'ai reçue la fois passée, la semaine passée, qui venait d'une blanche en fait. Ce n'est même pas la personne. La personne dit, et je t'explique, c'est-à-dire que ces gens de commentaires, j'ai l'habitude, j'en ai connu pire que ça, mais j'ai sélectionné ça parce que c'est particulier. La personne dit, les voleurs arnaqueurs, s'il y a beaucoup d'argent dedans, rends ton village riche, ta mère con. C'est la partie qui m'a un peu plus intrigué. La personne qui insulte ma mère, ta mère con. Elle insulte ma mère de con. Et tu vois, ces genres de commentaires, j'ai reçu un commentaire un jour où le mec dit, en filigrane, et il dit, tu mérites de mourir. Un autre, j'ai reçu, dit, sale négro, ferme ta bouche. Non, ferme ta gueule. Waouh. Tu sais, cette vidéo, par exemple, quand je l'ai fait, mon intention n'était pas de dire, j'en fais des de ça. J'ai juste fait une vidéo pour expliquer ce que c'est que le marketing du réseau. Pourquoi beaucoup de personnes pensaient que c'était une arnaque, que c'était vrai. Et comment ça fonctionnait. Et j'ai expliqué en fait que beaucoup d'entreprises utilisaient le marketing du réseau justement pour pouvoir arnaquer les gens. Et si tu es sur le web ou si tu comptes aller sur le web, je t'invite vraiment à prendre ça au sérieux. Parce que si tu es quelqu'un qui n'aime pas qu'on te critique, on va te critiquer à visage ouvert ou de façon mitigée. L'avantage de YouTube, d'Internet, c'est que tout va vite, l'information va vite, c'est devenu un village planétaire, le monde. Mais en même temps, le revers de la médaille, c'est que quelqu'un peut se cacher derrière un pseudo, derrière un nom, pour tout te dire, pour tout te faire, sans impunité. Et tu vois, ça m'a amené une réflexion dans la semaine parce que je me suis dit, est-ce que devant ces gens de critique, il y a certaines personnes qui laissent tomber, qui disent, ça ne vaut pas la peine de continuer si je dois continuer de suivre ça. Mais le problème, c'est que je me suis posé la question parce qu'un coup, j'ai été choqué, honnêtement. J'ai été choqué malgré que j'ai été victime beaucoup, plusieurs fois d'injures, d'escrocs, d'anarchie, tout ce que tu veux. Des fois pas des Africains, des fois pas des Blancs. Bref, je suis habitué maintenant. En tout cas, il me faut beaucoup plus que ça pour me décourager d'être sur YouTube. Je reçois beaucoup de commentaires positifs. Les gens achètent mes formations. Donc, c'est la preuve que ce que je fais, c'est du bon, c'est du consistant, c'est du lourd. Et tu vois, face à ça, je me suis dit, quand j'ai reçu le choc, je me suis dit, est-ce que cette personne sera dans mon cercueil le dernier jour, le jour de mon départ de la terre? Est-ce que celui-là ira dans la tombe avec moi? La réponse, elle est non. Ok. Du moment où elle n'ira pas à la tombe avec moi, du moment où simplement elle n'a rien à foutre, quelqu'un que je ne rencontrerai jamais, du moment où elle n'a rien à foutre,
ce que je dis, ce que je fais, de ce que je deviendrai, est-ce que cela vaut la peine de me soucier de ce qu'il dit? En réalité, qu'est-ce qui va rester après mon départ? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est les paroles qu'il a émises à mon encontre? Est-ce que c'est les choses qu'il m'a dites? Ou simplement, est-ce que c'est les actes que j'aurais posés? Est-ce que c'est les résultats que j'aurais eus? Est-ce que c'est les objectifs que j'aurais atteints? Est-ce que c'est le moment de qualité que j'aurais passé avec ma famille, mes amis? Est-ce que c'est la quantité de vidéos de vie que j'aurais restaurée? Est-ce que c'est le nombre de personnes que j'aurais aidé, sauvées? Est-ce que c'est mes œuvres qui vont rester? Et la réalité, c'est que c'est mes œuvres qui vont rester. Personne ne se souviendra des injures dont j'ai été victime. Personne ne se souviendra des coups bas dont j'ai été victime. Et cette vidéo, c'est pour te motiver. C'est pour te dire que malgré quels que soient les coups durs que tu rencontres, quel que soit ce que tu fais dans ton activité, quelle que soit la façon dont tu te donnes, il y aura toujours des gens qui vont te détester, qui ne vont pas t'apprécier. Mais tu sais quoi? Ils ne seront pas là le dernier jour de ton départ sur la terre. Ils ne viendront pas, ils ne seront pas comptables de tes actes. Tu ne pourras pas dire, c'est à cause d'eux que j'ai échoué. Les gens que tu aurais pu aider, les gens que tu aurais pu sauver, les gens, il y a beaucoup de personnes qui peuvent démarrer YouTube, qui peuvent faire des choses intéressantes, écrire des livres, créer des entreprises, qui vont m'aider moi, mais qui ne le font pas, tout simplement parce qu'ils ont peur du regard, ils ont peur des critiques, ils ont peur des oppositions. Mais sache que ce n'est pas les oppositions qui vont rester à la fin de ta vie. Ce que tu aurais fait de ton temps, c'est comment tu aurais investi ton temps. Ce que tu aurais fait, c'est ce que tu aurais dit, c'est ce que tu aurais pensé. Et c'est les gens que tu aurais sauvés qui un jour vont te remercier. Aujourd'hui, je reçois des dizaines et des dizaines de mails, de messages, WhatsApp, Facebook. Les gens me disent simplement merci. Des quatre coins de la terre, du Canada, de la France, du Bénin, du Togo, de l'Inde, d'un peu partout, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, les gens me disent merci. Grâce à toi, j'ai connu le marketing. Grâce à toi, j'ai connu le web marketing. Grâce à toi, j'ai connu l'e-commerce. Grâce à toi, j'ai connu l'affiliation. Grâce à toi, j'ai amélioré mes finances. Grâce à toi, j'ai démarré mon entreprise. Grâce à toi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je me suis relevé et je vais faire ce que je veux faire. Et ce sont ces paroles qui, moi, me motivent davantage à faire ce que je veux. Ce n'est pas ces gens de critique. Ce n'est pas les injures. Ce n'est pas tout simplement les personnes qui sont amères. Il y a beaucoup de personnes malades, mais qui ne le savent pas. Ces personnes qui passent de chaîne YouTube en chaîne YouTube, qui viennent mettre des commentaires déplacés, on les appelle les haters, qui viennent mettre des commentaires pourris, des commentaires insensés sur les vidéos que quelqu'un a pris le temps de monter, ces personnes sont des personnes qui sont malades. Ils sont malades, mais ils ne le savent pas. Ils ont le cœur rongé, ils ont l'âme rongée, ils sont blessés dans leur âme, ils ont souffert, ils ont connu des situations où ils ont vraiment connu des mésaventures, ils ont souffert. Ils auraient voulu faire ce que tu fais, mais simplement ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas les couilles pour ça. Et la meilleure manière de te rabaisser, de t'amener à leur niveau, c'est de te décourager, de t'injurier, de te critiquer, de dire tout ce qu'ils veulent. Mais ne lâche jamais. Ne lâche pas parce que si tu lâches, il y a plein de personnes que tu aurais pu aider, que tu laisses sur le carreau. En réalité, en fait, si tu lâches, je te dirais simplement que tu es en train d'être égoïste et tu es en train de faire preuve de sorcellerie. Arrête de t'occuper de ce que les gens disent et pose-toi toujours la question, est-ce qu'ils seront avec moi le dernier jour de mon départ sur la terre? La réponse, elle est non. Si la réponse, elle est non, continue de faire ce que tu fais avec beaucoup de courage et reste libre. Vis ta vie, oublie tout le reste.
Moi, je te dis à demain dans la vidéo de demain. Porte-toi bien et salut.